Bonjour, je suis Jenny, je suis réceptionniste à l'hôtel Marc-Pierre à la Tête de Poulon. Et donc j'effectue les tâches d'accueil et aussi administratives pour les arrivées des clients et aussi leur départ pour faire aussi en sorte qu'ils passent un bon séjour avec nous. Alors, je m'appelle Marion, je suis responsable d'hébergement à l'hôtel Atlantis. Donc, j'ai commencé il y a 3 ans au poste de réceptionniste. Avant ça, j'ai eu un BTS tourisme et donc j'ai été fraîchement promue. Donc, à la réception, nos tâches, c'est d'accueillir le client, lui donner toutes les informations qu'il a besoin pour profiter au maximum de son séjour, donc les horaires de la piscine, de la salle de sport, du petit déjeuner, du restaurant, etc. Donc si jamais les clients ont des demandes particulières, essayez d'être le plus réactif possible et savoir trouver un compromis si jamais il n'est pas très content. Quand le client part au check-out, s'assurer que tout s'est bien passé, noter ses remarques s'il en a. On doit aussi prendre des réservations par téléphone, gérer un petit peu les mails. Et on a aussi, donc comme on est à un poste polyvalent, on doit aussi s'occuper du bar quand les serveuses ne sont pas là. Donc le bar est ouvert toute la journée. De temps en temps, on doit préparer des cocktails, des cafés, des petites boissons. Voilà. Une autre de nos tâches, c'est de préparer le planning pour les femmes de chambre. Donc le matin, on doit distribuer les chambres à chaque femme de chambre pour qu'elles puissent occuper leur journée à faire les chambres. Bonjour, je m'appelle Danielle. J'ai 61 ans. Ça fait 29 ans que je travaille dans cet hôtel, donc je suis rentrée à l'ouverture. Donc j'étais pas prête à être femme de chambre, hein. Donc je suis cuisinière de métier et j'ai voulu évoluer, donc on est un peu tout dans l'hôtellerie, parce que bon, il n'y a pas que le restaurant. Donc j'ai fait la réception, je suis rentrée en étage et ça m'a plu, mais je suis restée. Par contre, il faut être très, 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 très... Il faut aimer. Si on n'aime pas, ce ne sera pas facile pour vous. Alors, il faut aimer l'hôtel. On travaille du lundi au dimanche, à dimanche. Donc, il n'y a pas de jour de fermeture. Il faut aimer. Si on aime son travail, on ne voit pas passer les jours. C'est vrai, c'est un peu fatigant. Mais quand même, quel boulot qui n'est pas fatigant. Donc, mais quand on aime, on apprécie. Et c'est tellement beau de sortir quand on laisse une chambre. Et on a fini, on voit que c'est tellement beau et ça sent bon. Et on ressent un client après qui dit « Elle était propre, elle était belle, merci pour votre service. » Donc, ça fait du bien. Je vous conseille, si vous choisissez l'hôtellerie, si vous choisissez la restauration, c'est aimer. Donner de tout votre cœur. Si de ne pas penser au jour de l'école, le dimanche, je ne veux pas travailler le dimanche. Non, c'est un jour comme tous les jours. Alors, aimez et vous allez voir, ça va tellement bien se passer. De raison de plus, regardez-moi, je suis encore là. Et l'âge de la retraite arrive. J'ai pas envie de partir. Voilà. Bonjour, je m'appelle Martin Faugeras, je suis le chef cuisinier de l'hôtel des Roches à Kourou en Guyane française.
Et je vous présente aujourd'hui un petit peu les avantages du métier de cuisinier. Donc moi je suis métropolitain d'origine et j'ai réussi à venir voyager en Guyane et découvrir ce beau pays grâce à la cuisine, grâce au métier de l'hôtellerie-restauration, qui sont des métiers passionnants et vraiment très motivants pour ceux qui sont intéressés. De belles opportunités et vraiment des beaux moments et plein de passion. Bonjour, je m'appelle Corentin Sens, je suis nouveau responsable de salle du Créolia. Je suis arrivé il y a environ 3 semaines au Créolia et un mois en Guyane française du coup. Mes missions seront de gérer l'accueil du client de son arrivée jusqu'à son départ et qu'il soit le plus heureux possible, pour faire très simple.